trouvailles de soif d'ailleurs. Ce soir, je vous emmène en Autriche, rencontrer un vigneron très impressionnant qui nous vient de la région du Burgenland. Donc le Burgenland, nous sommes en Autriche orientale, nous regardons vers la Hongrie. Et d'ailleurs, ce vin ne fait pas que regarder vers la Hongrie, il partage une partie du destin hongrois grâce à Joseph Umatum, qui est un infatigable chercheur et un infatigable vigneron qui vraiment sait défendre son terroir comme peu dans cet endroit d'Autriche. Que ce soit ses blancs ou ses rouges, tout est assez impressionnant dans son travail. Il va même jusqu'à conseiller des collègues en France sur la façon de mieux respecter son terroir et son environnement en Autriche et le travail qu'il fait sur certaines parcelles avec certains cépages, qu'ils soient autochtones à l'Autriche ou qu'ils soient un peu internationaux, est vraiment admirable. Ici, nous sommes sur un vignoble qu'il a sauvegardé, qui contient un cépage qu'on ne connaît aujourd'hui plus qu'en Hongrie, qui porte un nom affreux en hongrois qui va vous écorcher absolument la bouche, ça s'appelle Archlevelu, mais tout le monde peut éternuer une bonne fois pour toutes et penser que ça veut dire feuille de tilleul en français, et en allemand ça se dit Lindenblatt, qui veut dire aussi feuille de tilleul. Or, ce cépage est connu aujourd'hui en Hongrie pour faire des vins liquoreux, qui rentrent dans la composition du Tokaj, mais pas seulement, ils font aussi des vins blancs secs à base de ce cépage très parfumé, en effet, nous rappelons un peu le tilleul. Alors ici, en Autriche, il ne reste qu'un seul vignoble dans ce cépage. Tout avait été arraché, et c'est chez Joseph Umatum que ça se trouve. Seulement, les autorités viticoles autrichiennes n'ont pas entendu de cette manière-là, et ont refusé à Umatum le droit de mettre le nom de cépage sur l'étiquette, prétextant que ce n'était pas dans un cahier des charges autrichien et que ce n'est pas un cépage qui n'a grand-chose à voir avec les vins autrichiens. Il a pourtant fourni une photo prise par des GI survolant la zone dans les années 40, au moment de la guerre, prouvant qu'il y avait bien une plantation à ce moment-là, déjà, de ce cépage-là, dans cette région-là. Ça n'a pas suffi pour convaincre les autorités autrichiennes, mais qu'à cela ne tienne, Joseph Umatum a décidé de produire ce vin en l'appelant vin royal et non pas vin de table. Donc il a tenu tête à sa façon et c'est un admirable vin blanc qui est vendu chez Soif d'ailleurs au prix de 24 euros. Et donc il n'en a que quelques bouteilles à vendre et nous sommes fiers de l'avoir. Rendez-vous quelque part en Autriche, mais pas vraiment. Désormais. Quelque part en Autriche, mais pas vraiment. Donc moi je vous présente le Hans Zweigelt. Ça aurait pu être en Autriche, ça aurait pu être en Suisse. C'est un vin qui est produit par un couple de Suisses, Hans et Therese Herzog, qui faisait du vin du côté de Zurich. Ils en ont eu assez rapidement assez de ne pas pouvoir faire pousser ce qu'ils avaient envie de faire pousser. Le Viognier s'accommode assez mal des glaciers, le Cabernet Sauvignon n'aime pas tellement le brouillard. Donc ils sont allés assez loin de l'Autriche, en Nouvelle-Zélande, dans le Marlborough, où ils ont acheté quelques hectares. Pourquoi l'Autriche? Parce que le cépage, c'est du Zweigelt. C'est un des trois cépages rouges indigènes d'Autriche, qui est d'ailleurs le fils des deux autres, hein, le Saint-Laurent et le Blaufränkisch. Ils sont donc allés en Nouvelle-Zélande. Ils ont acheté 7 hectares dans le Marlborough. Et sur ces 7 hectares, ils font pousser 29 cépages. Autant vous dire que c'est du cousu main. Ce sont des bouteilles dont il y a extrêmement peu d'exemplaires. Ils sont venus, ce sont des vins coûteux, hein, je vous dirai le prix tout à l'heure. Ils sont venus, ils ont fait 3 masterclass de suite chez Soif d'ailleurs. À la fin des 3 masterclass, nous avions vendu la totalité de leurs vins tellement ils sont convaincants. Celui-ci, c'est un vin rouge. Le Zweigelt produit des cépages avec des tanins très veloutés, des cépages aromatiques. C'est une forêt noire dans votre verre. Hein. Vous avez de la cerise, vous avez du chocolat, vous avez des épices douces. C'est quelque chose d'extrêmement agréable. Je vous le conseille très vivement. Hans Zweigelt, 45 euros chez Soif d'ailleurs.